Yo yo yo, la compagnie, comment va aujourd'hui? Aujourd'hui, on se retrouve dans un petit café abandonné. Faisons le tour directement. Je prendrai mes photos après. Un gros bar. Impressionnant. Hein? Ouais. Oui, toute la bouche, c'est le même espace. Ah merde. Premier escalier. Ici, la salle des machines. Grosse baie vitrée incroyable. Ah, il semble vide. Putain, t'es encore là toi? Putain, mais il est partout ce type. J'ai l'impression que tu te changes jamais. Ça va aller vite en photo quand même. Petite toilette. Hop, on va aller voir là-bas. Les combles sont vides. Oh, le lustre de ouf. C'est pas du lustre de petite fille, ça. Non plus, c'est tout dans la discrétion. Non mais quand même, ceci est énorme. Petite vue du dessus. Cet escalier. Le bout suspect quand même. C'est pas super grand, hein. C'est charmant. Pour les tireuses, je t'en sers rien. Un demi-litre. Demi litre. Ok, c'est parti. Bon, allez, à la cave. La cave aussi, elle a l'air inondée comme les autres, ça va. Un peu plus sec quand même. Ah, c'est quoi cet endroit chelou? Qu'est-ce que c'est que ça? Incroyable. Mais qu'est-ce qui se passait dans ce lieu-là? Drôlement bizarre. Chelou de ouf. Des femmes en dessous. Je vais me faire striker par YouTube. Ah, c'est des chiottes. Oh. Comme c'est top du kitsch. Ouais, même Choumi. Ouais, Christophe Lambert et tout. Ah ouais, je suis toutes les cliques à représenter. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça?
Bah, le rez-de-chaussée est atypique, hein. Le rez-de-chaussée est vraiment atypique. Même au plafond, il y en a partout. Elle est recouverte. Incroyable. Des décos de Noël. Des petites choses démesurées. Ouais, des meubles, des chaises. Oh, on voit le bout. C'est quand même quelque chose, hein. Il faut assumer de mettre une déco pareille. Il faut assumer des toilettes pareilles aussi, hein, après.